Eh bien, on se retrouve dans la troisième partie. Bonjour à tous, bonjour YouTube. Évidemment, bonjour au chat, hein, même si on est toujours dans la même soirée. Et on est reparti sur Zelda 3, The Legend of the Zelda, of the Ocarina of Time, pas du tout, of the Link to the Past. Voilà, et donc il y avait une superbe question de Colonel Gannicus qui me demandait si j'étais dans un si j'avais déjà été dans un triangle amoureux. Eh ben, je crois pas. Je crois pas, parce qu'un triangle amoureux, c'est... T'aimes une meuf, mais cette meuf, elle aime un gars. Et t'es le pote de la meuf, c'est ça? Je sais pas, colonel, je suis perdu. Explique-moi, donne-moi ta définition du triangle amoureux et je te répondrai. Allez, c'est reparti. Donc, on m'a dit qu'il fallait aller au village Cocorico pendant la pause, là. Pour aller chercher la bouteille. Encore une bouteille. Alors, je sais pas ce que je vais foutre avec mes bouteilles, mais j'en ai déjà deux, hein. Donc là, si j'en ai une envie de pisser sur l'autoroute dans Zelda 3, j'ai deux bouteilles, hein. Regardez ça. Hein, je peux remplir deux bouteilles, hein, de pisse. Ce qui est plutôt pas mal. Et le gars, c'est ton ami. Ah, d'accord. Alors, j'en ai déjà parlé de ça. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un triangle amoureux? Je vais te résumer vite fait l'histoire. J'étais en kiff sur une meuf. J'ai essayé de... C'est bizarre de faire ça. J'ai contacté cette meuf. Bref, je suis devenu assez proche d'elle. Elle est devenue célibataire. Du coup, je me suis plus rapproché d'elle. Jusqu'à l'inviter au Nouvel An, chez moi. Au Nouvel An, je me suis dit, je vais lui faire ma déclaration, machin et tout. Elle m'a mis un stop de cow-boy, elle m'a dit. Alors, t'es bien sympa, mais j'ai pas envie. Alors, j'ai dit, merde. Et quelques heures après, elle est embrassée un de mes meilleurs potes. Je ne citerai pas son nom pour des questions de confidentialité. Parce que je suis pas une donneuse. Et du coup, ils sont sortis ensemble après. Il y a eu évidemment des clashs. Moi, je les ai ignorés pendant un an. Et depuis, ça s'est arrangé. La meuf l'a largué en plus. Alors que moi, du coup, je les ai recontactés alors qu'ils étaient encore ensemble. J'ai même été à l'anniversaire de mon pote alors que j'étais chez eux en plus. Et moi, c'était passé, en fait, si tu veux. Je m'en battais les couilles de la meuf. J'étais content pour lui, etc. Mais voilà, il me fallait un an, deux, en mode... Je coupe les ponts, parce que je peux pas, sinon, je vais lui rentrer dedans. Et voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un triangle amoureux? Est-ce qu'on peut dire que c'est un triangle amoureux, ça? Ah, tu veux que je me rase le crâne? Non mais j'ai pas voté Marine, hein, je le répète. Hein. Pauvre Julien. Entre ça et Hélène Page qui est gay, t'as pas de bol. Tout en bas. Faut rentrer par derrière. D'accord. La taverne. Pour que ce soit un triangle amoureux, il aurait fallu que ton pote lui mette un stop. Ah bon? Ah merde! Je suis dans la même situation, j'ai envie de fusiller le gars. Et c'était ton meilleur pote? Alors oui, alors, et qu'est-ce que je peux te conseiller? Moi, je les ai bloqués de tous les réseaux, j'ai coupé les ponts. Et bref, et comme c'est vrai, c'était vraiment un putain de pote, au bout d'un an, je me suis dit, allez, j'ai récupéré son numéro via un autre pote qui était encore un peu en contact avec. Je l'ai rappelé. Enfin, j'ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute mec... ça me fait chier, voilà, il s'est passé du temps, j'en ai plus rien à foutre de votre relation. Enfin, ça me fait plus rien, je m'en fous. Si tu veux qu'on reprenne contact, tiens-moi au courant. Et du coup, on s'est rappelé le soir même, et voilà, quoi. Mais c'était... ouais, c'était un peu badant, quoi. Donc, qu'est-ce que je peux te conseiller? C'est là, la taverne? Bah, c'est de faire comme moi. Putain, il y a un vieux poulet là-dedans. Hein. Ah, la Magic Bottle. Attention, je vais claquer une tôle. Ouh, attention. Un ban pour Lichoco. Qu'est-ce qu'il nous dit, Lichoco? C'est bien, Macron. Entre les élections et les urnes distortrices, on peut se tailler les veines. Salut, Momo, comment ça va?
C'est pas la meuf que t'as revue il y a quelques mois, elle t'a même dit que tu avais une belle barbe. Non, 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 ça c'est encore une autre. Alors ça c'était pas du tout un triangle amoureux, c'est la meuf qui était une connasse en fait. C'est différent. Salut Will Age. Non, il s'en battait les couilles de toi, t'existais pas, donc non, pas de triangle amoureux. Ah d'accord. Bon, bah alors du coup c'est pas vraiment ça. Salut Sébastien, Sébastien. Bon du coup je ne peux pas te conseiller alors. T'inquiète si j'ai jamais vu de femme aussi belle qu'au Québec. Ah, ça c'est pas mal. J'ai vraiment hâte d'y aller, putain de merde là. Ça y est, j'ai mon bifton, il a... Enfin, c'est pas le bifton, c'est une c'est quoi? Confirmation d'un... Votre itinéraire a été réservé. Donc je sais pas. Moi, je te conseille la main gauche ou la droite. J'ai besoin de conseils. C'est la meuf de la librairie ça. Putain mais les mecs sont tellement taqués, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais écoutez, moi, de cette façon, les meufs, vous savez, hein, c'est... Moi, j'attends qu'il se passe un truc. En ce moment, il se passe un petit truc. Je vais pas trop en parler parce que ça fait pas longtemps et je sais pas trop où ça va. Mais on va dire qu'en ce moment, ça va. J'ai pas à me plaindre. Mais bon, comme je pars au Québec, après, ça va être compliqué, donc... je sais pas. Je peux pas trop vous dire. Est-ce qu'il y a un autre truc à faire au village Cocorico? Ah, le filet à papillons, c'est ça? Site qui a revu la boulangère. C'est la maison au-dessus de la taverne. Ah. Bon, je suis désolé pour ceux qui... qui regardent la rediff YouTube, mais ça doit pas être très intéressant. Parce que du coup, je lis le chat, Solus. C'est tout ce que je fais. Mais du coup, la prochaine fois, venez sur le live. Comme ça, vous pourrez participer à cette magnifique discussion sur les triangles amoureux et sur les bouteilles dans Zelda 3. Voilà. Je peux pas aller dehors parce que je suis malade. Je tousse. Tout sage. Les gens disent que... Attends. Que j'ai attrapé froid à cause de l'air maléfique qui vient... qui descend de la montagne. Je renifle... c'est mon truc, mon filet à papillon. Net. This is my bug catching net. Qu'est-ce que ça veut dire net? Filet, non? Net, c'est filet. Alors, c'est mon attrape insecte. Mon filet attrape insecte. D'accord. J'utilise. Ouais, bon, allez, ferme-la, on s'en branle. Du coup, ça me sert à quoi ce filet à papillon? Si c'est un tchatcher. Salut Jumpman. Non, je suis pas vraiment un tchatcher. Je pars au Québec 4 mois pour le moment. Mais je. Vu ce qui s'est passé aux élections, là, je vais peut-être partir plus longtemps. La Daniva. Les tanks de mon cul sur la commode. Net égale toile. Non, toile c'est web plutôt. Aidez-moi les postes, c'est important. Alors qu'est-ce qui t'arrive à Kai? Mon plan cul m'a dit que j'allais voter Marine au second tour. J'aurais le droit... Que si j'allais voter Marine au second tour, j'aurais le droit à une surprise. Une surprise, putain. J'ai confondu... Je sais pas pourquoi, hein. J'ai dit surprise. Pas, hein. Bah déjà, moi, je connais pas les plans cul. Pour moi, c'est de la saloperie, les plans cul. Donc, je peux pas te conseiller là-dessus. Je prends un billet, je... Par là-bas aussi avec du picombière. Ah! Tu sais faire l'accent québécois au moins, Sid? Je me débrouille. J'ai pas encore toutes les expressions en poche. Je vais pas faire du Marion Cotillard. Ah! Oh, je tombe sur le cul, moi là! C'est bon. C'est beaucoup de gens qui m'ont dit: ah, oh, elle limite bien. Non, non. Moi, je suis pas québécois, mais. Je mate des trucs québécois et j'écoute surtout des musiques québécoises depuis plus de 10 ans. Et non, elle fait pas du tout l'accent québécois. Je sais même pas d'où il sort cet accent, quoi. C'est un accent québécois, mais de ringardos, quoi. Ah, je tombe sur le cul, moi, là. Putain. Ah, elle fait tiède, quoi. D'ailleurs, c'est pour ceux qui
qui ont pas vu Rock'n'Roll, vous pouvez voir cette scène sur YouTube. Hein. Vous tapez Marion Cotillard, Accent Québécois, Rock'n'Roll, ou Guillaume Canet, enfin vous allez trouver. Et c'est fantastique, c'est du grand art, hein. Et c'est une meuf qui a eu un Oscar. Non, est-ce qu'elle a pas eu d'Oscar, j'ai dit peut-être des conneries. Je sais pas si elle a eu un Oscar, bon, mais c'est une meuf quand même qui a fait une carrière internationale et tout. Et elle se retrouve à imiter un accent québécois, et même moi je le fais mieux qu'elle, quoi. Donc, ouais, je tombe sur le cul, moi là. Oh putain, dégage. Putain, j'ai plus mes lasers. Ah, attends. Ah, mais je peux pas passer ici. What? Faut que je redescende là. Putain, faut que je redescende. Merde. Ah, il y a Ciné chez soi. Comment ça va, Alex? Hostie de coller, ça arrête donc de nous narrer de la marde maudit français. Maudit. Cid, notre sexologue, qui a pas de relation depuis janvier 2011, mais on s'en contentera. Il y a une petite mise à jour, colonel, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut dire que les compteurs sont revenus à zéro il n'y a pas très longtemps. Mais j'en dis pas plus parce que pour l'instant, je sais pas où ça va, cette histoire. Bon, attends, parce que là, là, ça commence à me peler les couilles. Mais par où je peux... Comment je peux aller au château, là? Je peux pas passer par la forêt de... à la con, là. Non? Je suis paumé, les mecs, là, ça y est. Parce que là, si je vais là... Eh oui! Ah, mais si je crois que je peux passer, là... J'ai un souvenir comme quoi je peux passer ici. Sur le teco à droite, là. Non? Ah, mais si, regarde en bas, là. Je peux passer en bas, là. Là. Par là. Putain, mais casse-toi! Là, je peux pas... Voilà! Là, d'accord! Oh, putain. Merde! Les tonneaux de sirop d'érable. Il part quand, si? Le 20 juillet. Oh putain! Je vais crever. Des cœurs, vite! Des cœurs! Des cœurs! Cœur, elle pleure là. Bien, mon site, bien, tu dois te sentir bien. Pourquoi tu dis ça, Ciné chez soi? Alex, pardon. Hier, j'ai regardé Mommy, le film est juste magnifique. Mais le patois québécois, c'est difficile. Ouais, Mommy, sans les sous-titres, c'est galère. Mais c'est un chef-d'œuvre. Enfin, il est génial. Hein. Moi, j'ai adoré ce film. Hein. Le 20 juillet. Saint-Pierre et Miquelon, c'est pas mal aussi. Dernier territoire français en Amérique du Nord. Bien le bonsoir, Cid. Salut, Benoît. Oh, putain, Benoît, oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Comment ça va? J'hésite à me prendre Binding of Isaac sur l'eShop US de la Switch. Bah, si tu l'as jamais fait, ouais, je te conseille, Young Gaming, il est cool. Après, il est assez addictif, comme jeu. Si tu l'as jamais fait, ouais, je te conseille. Après, ça dépend du prix, hein. S'il est à 30€, grenade, hein. Sauvegarde et kit reprend depuis la maison. Je préfère même pas me prononcer sur mon compteur. Bon, allez, stop ce genre de discussion. Oui, c'est vrai. On arrête. Kiwix, c'est un monument de démagogie. Voilà des cœurs. Pour faire une teuf avant que tu partes, si de sérieux. Faut faire une teuf. Bon, les amis, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne sodomie. Pourquoi pas. Deuxième tour. Ah oui, ça va être dur, mais c'est normal. La sodomie, c'est dur. Allez, bonne soirée. Salut Fabgel, bonne soirée. Après cette remise à zéro. Ok Alex, j'ai compris. À quoi ça sert les plans cul qu'on a du picombière? Exactement. Le nouveau Mommy est sorti. Le mieux c'est d'avoir du picon. Et une go. Moi j'avais vu Le sens de l'humour en film québécois, c'est pas mal du tout. J'ai pas vu. J'irai jeter un oeil. Je vais me prendre un joyeux festin. Bah oui, bah grave.
Peut-être qu'ils ont des jouets exclusifs là-bas en plus. Tu connais Doc Seven, il a fait une vidéo sur le Canada hier. Ouais, mais j'aime pas. Allez. 30 balles. Ah, il coûte 30 balles. Ah non, mec, non. 20 balles, j'aurais dit à la limite, ouais. Grand max 20 balles. Mais 30 balles, c'est n'importe quoi. Ou alors en boîte, mais... Il clash comme un clasheur. Non, mais j'aime pas Doc Seven. Récemment, on m'a fait regarder sa vidéo sur les groupes de rock hardcore ou je sais pas quoi, ou what the fuck, là. Ouais, c'est sympa, 5 minutes, mais... ouais, c'est quand même de la merde. Hein. Désolé de vous dire ça, mais... C'est du mauvais boulot, mauvais travail! Alors, attends. Qu'est-ce qu'il faut faire? Yep, merde. Qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans? Des jeux PS4 que j'attends. Bah, le Uncharted, là. Uncharted, comment il s'appelle? Putain, je sais... Lost? Non, je sais plus le nom. Le Uncharted, je l'attends. Mais sinon, j'ai maté une vidéo d'Efken où le gars a raconté son expérience dans les sites de rencontres. Oui, oui, je l'ai vu aussi. Le rideau sur la gauche. Ah. Ah oui, d'accord. Non, c'est peut-être par là. Lost Legacy, ouais, c'est ça, ouais. Je serais capable de pas partir au Québec par amour. Je sais pas. Ça dépend en fait. Bah là non, parce que là j'ai déjà tout prévu. En fait ça fait un an que je prévois le truc et... Donc non. Là pour le moment je ferai pas ça quoi. Et le pire en fait c'est que... Bah le truc c'est que j'ai vu des gens faire des choix de merde comme ça. Je dis pas que c'est un choix de merde mais... Faire ce genre de choix par amour et c'est jamais bon quoi parce que après le mec je pense pas que ce soit du tout là en fait hein. Merde le coup du rideau c'est après fait... Alors là faut me dire où aller en fait parce que j'ai pas envie de crapahuter pendant 1000 ans donc j'ai vu des gens faire des ce genre de choix ça m'a clairement dégoûté de le faire quoi donc non je le ferai pas putain. Puis, enfin, surtout que là, pour l'instant, j'ai 27 piges, quoi. Si encore j'avais 50 ans, non. Oui, peut-être que je resterai là. Peut-être que, voilà, mais pff, non, là, c'est... Je peux pas, quoi. J'ai un pote à moi qui avait fait la même école que moi. C'est une école qui... C'était pas... C'était quand même pas dur d'y rentrer, mais c'était pas donné à tout le monde d'y aller. Et il a été accepté, et il est resté 2 mois, et... C'était à l'internat, hein. C'était à Nevers. C'était au lycée de Nevers, à Alain Colas. J'habite à 4 heures de Nevers, hein. Donc il rentrait tous les week-ends. Hein. Et genre, le mec, il pouvait pas ne pas être avec sa meuf. Du coup, au bout de 2 mois, il s'est barré de l'école, quoi. Et du coup, il est allé au lycée vers chez moi. Et bah, il a pas fait ce qu'il a voulu faire. Et... Enfin, voilà. Et genre, il est resté avec sa meuf. Enfin, voilà, encore 2 mois. Et après, genre, elle l'a largué. Ou il s'est fait... Ou il l'a largué. Non, je crois que c'est elle qui a dû le larguer. Enfin, voilà, donc c'est... C'est débile, le mec a fait ce choix, il a perdu un truc dans sa vie. Enfin, il a perdu une possibilité de d'évoluer ou quoi. Enfin non, c'est complètement stupide, hein, franchement, mais à notre âge, faire des trucs par amour, c'est complètement con, hein, je vous le dis. Hein. Ah non, non, mais même si ça me ferait bader et tout, c'est mort, quoi. C'est mort, je vous le dis. Hein. J'y ai pensé en plus. Hein.
Mais non, non, je pourrais pas faire ça. Voilà, attends, dans le hall du château, tu prends les escaliers et c'est le passage à gauche. Putain, je suis perdu, c'est ouf, quoi. Dans le hall du château. C'est là où je suis, peut-être, hein, je sais même pas. On va aller voir. Dans le hall du château. Tu prends les escaliers. Ah, comme ça? Ah, il faut que j'aille à l'étage, en fait, c'est ça? Faut que je sorte, là, je pense, c'est ça. Non. Ah, ah bah si. C'était bien ça. Oh putain. Ça c'est pas mal les lasers. C'est efficace quoi. Je peux les hagard. Mon ex a fait le choix de ne pas remettre en cause ses projets ailleurs. Ça fait mal, mais je peux comprendre. Ouais, c'est ça, en fait, Mimi. Faut voir aussi ce que ça peut lui apporter de bénéfique, quoi. Imagine-toi à sa place. En fait, c'est ça, tant qu'on est encore jeune, il faut faire des... Il faut faire certains sacrifices et faut... Faut pas rester comme ça, se reposer sur ses lauriers, parce que dans ce cas-là... Ok, bah vas-y. Ah, j'aurais peut-être dû la capturer dans un bocal, elle, non? Dans ce cas-là, on... À 22 piges, on quitte plus sa copine, et puis on s'installe avec, on fait 3 gosses, on achète un Laguna et un Labrador, et puis c'est fini, quoi. Et on prend un prêt... Merde! Oh putain, j'ai failli faire tomber ma monster. On fait un prêt pour la maison, et puis c'est fini, quoi. Salut, Tagada Prout. Tu as le choix entre le Québec ou une turlute de Miss Page. De Miss Page. Bah, je prends le Québec, parce que si c'est qu'une turlute, ça ne m'intéresse pas. Le bruit des lasers, par contre, sont naze. Oui, c'est vrai. Perso, je préfère ne plus y penser. Je reste dans ma musique, mes DVD, mes jeux vidéo. Au moins, eux ne se foutent pas de moi. Je suis assez d'accord, Johnny. Le pire, c'est que des fois, tu vas dans une autre ville où tu connais personne et la meuf te fait un coup de pute. Du coup, tu restes comme un gland tout seul, sans personne. Ah ! Alors, ciné chez soi. Justement, mon pote qui m'a piqué la... Enfin, qui est sorti avec la meuf que j'aimais bien. Du coup, il s'est installé après avec elle. Mais je peux pas vous dire où c'est, sinon vous savez savoir qui c'est, mais... Bref, il s'est installé dans une autre ville de là où il était. Et après, elle l'a largué. Et maintenant, il est encore dans cette ville. Et du coup, bah, il s'est fait vite fait des potes, mais c'est... Voilà, il se fait chier, quoi. Les jeux où on peut mettre son nom... What? Attends, je comprends pas. J'ai pas compris. Ça fait quoi de s'inscrire sur Tinder? 32 ans, bientôt mon poste. Cite ce Saiyajin qui résiste même à une turlute d'Ellen Page. Un sage, cet homme-là. On sait déjà tout ce qu'il sait. Merde. Le truc, c'est que ça s'est arrangé, tu vois, mais j'ai juste pas envie de balancer... Je l'ai déjà fait, en plus, hein. Mais là, comme il y aura une rediff, voilà, je veux pas que... C'est passé, c'est du passé, quoi. On sait déjà tout ce qu'il sait. En même temps, oui, mais j'en ai déjà parlé. Profiter de la vie quand les meufs... Faire les yeux doux... Et j'en passe, ne cédez pas. Bah, ne cédez pas, non, ça dépend, mais... Ne pas faire de trucs qu'on pourrait regretter plus tard. Parce qu'en fait, sur le moment, on se dit, ouais, c'est pas mal et tout. Mais si tu te dis, à un moment, tu vas pouvoir peut-être regretter ce choix-là... Faut voir, essayer de voir un peu plus loin. Je sais que parfois, c'est pas vraiment un bon choix
de vivre dans le futur et de se dire ouais mais dans le futur ça va se passer comme ça, comme ça. Mais quand c'est des choix comme ça vraiment importants pour la suite de ta vie, je pense que c'est quand même... voilà, il faut y réfléchir à deux fois et pas se dire ouais mais je l'aime donc machin tu vois. Non attends, ça fait des années que je veux partir au Québec, je bats les couilles. Ah, puis les relations à distance, ça peut marcher. Bon, j'y crois pas du tout, hein, mais pourquoi pas. On verra bien. Je m'en bats les couilles, attends. On bat les couilles, les mecs. D'accord. Ah, j'ai une clé. Bon, alors, du coup. Petite gère. Faudrait peut-être que j'allume les torchères, non. Qu'est-ce que vous en pensez. Bon, j'en ai pas vraiment besoin, mais... Ok, là, y'a que dalle. Est-ce qu'il y a un truc en haut. Non. Du coup, faut que je prenne la porte à... la porte en bas, là. En bas à droite. Alors, attends. Hop. Voilà. C'est pas une merde à buter. Tout un tas de Viet Cong à buter. Oh le clasher. Oh le bâtard. Merde. Pédale. Grosse merde. Ah j'aurais dû le stun au bouclier. Putain j'ai été con. Des rubis. Des rubis. C'est vrai que je pourrais allumer quand même les torches, quoi. Bon, si je les allume et qu'elles s'éteignent après, c'est un peu débile. Donc, autant se balader comme ça. Bon, pour l'instant, ça va. Je me débrouille pas trop mal. Ah, merde, attends. Ah, mais il s'est tué, ce con. Ah, ça a ouvert un truc. Ça a ouvert un truc, les mecs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a ouvert? Attends, c'est chelou, non? Ok, bon. Je sais pas. Oh, le bâtard. Il décoche la flèche direct. Hein. Ah, putain, salaud! Ah, cassez-vous! Mais dégage! Mais what? Ah oh, mais putain, j'ai perdu trop de vie, là. Ces conneries. Alors, attendez, t'es allé au ciné, Sid, récemment? Oui, ciné, Alex, j'ai été voir Grave pour la deuxième fois. Je sais pas si tu l'as vu, il est génial. Pour moi, c'est... pour l'instant, c'est le meilleur film de l'année. Je suis pas un jeune, il y a longtemps que l'humanité me désespère, alors aider sa multiplication. Ma sœur a fait trois gosses, ça suffira. Saturne Météore, salut à toi, je sais pas si je t'ai salué. C'est déjà arrivé qu'une moche tombe en kiff sur toi, Sid. Oui. Plusieurs fois. Ah, les musiques sont insupportables, tu trouves, Kiwix? Oh, moi j'aime bien. Bon, celle-là, c'est vrai que moi, elle reste un peu dans la tête, mais. Je te trouve plus beau une fois vidé, mon Cid. Vidé, c'est-à-dire. Qu'est-ce que tu dis? Quand j'ai chié? Une fois vidé. Alors, c'est ouvert la porte que tu dois prendre. Ah ok, d'accord, j'avais pas fait gaffe. Je pensais qu'elle était déjà ouverte. J'ai des images qui prouvent, donc ça j'ai vu. Au collège, j'avais un petit succès. J'étais un vrai clasher avec les moches. Et ses dents sont propres. Cid qui fait beaucoup de runs de Zelda en ce moment, son esprit d'enfant a ressuscité. Bah, c'est surtout qu'en fait...
Surtout pour me prouver en fait que le dernier Zelda est pas un très bon Zelda. Voilà. Wind Waker, regardez, bah, on a fait Wind Waker avec Ahmed. Bon, moi j'ai dormi un peu. Mais ça m'a... c'était quand même sympa. On a fait Ocarina avec, avec Arnaud. Et ça m'a fait kiffer de le refaire. Parce que pour moi c'est vraiment le meilleur, y a pas à chier. Voilà, et celui-là je le connais pas donc je le découvre. Enfin, je l'ai jamais terminé à fond. Et je suis désolé, pour l'instant on est quand même au-dessus de Breath of the Wild. Hein, même s'il est... c'est un bon jeu, mais c'est pas un excellent Zelda, je trouve. J'avais du succès au lycée. Boulet Bill 2, alors Sid. Non, je vais pas le voir. J'avais été voir le premier parce qu'il y a Marina Foïs dedans. Parce que j'adore. Non, je l'avais pas été le voir. Je l'avais téléchargé. J'adore Marina Foïs. D'ailleurs, j'ai hésité à acheter le coffret Blu-ray de Papa et Maman 1 et 2. Parce que j'avais bien aimé le premier, et là il y a le 2 qui est sorti. Du coup je me suis dit, pour 20€, je vais peut-être les prendre les deux et me les mater. Mais je me suis dit non, ça à mon avis c'est quand même de la daube. Donc je le mettrai en streaming. Mais j'avais été voir le 1, ouais, mais là il n'y a même pas Marina Foïs. Non, bah nique sa mère, je vais pas le voir quoi. Salut Jojo. Alors attends, j'essaye de vite lire, hein, c'est compliqué. Non, l'autre sortie site je pense, j'espère qu'il y a... beaucoup de filles sur là, elles sont pas trop à leur honneur. Ah bon? Les respects pour les meufs ici, c'est chaud. Ah ouais? Les meufs qui se rasent à la cire doivent avoir beaucoup de temps libre, surtout. Dans Grave, il y a une très bonne scène d'épilation. Ah, ça y est, j'ai fini de lire le chat. Alors, Wind Waker, Link's Awakening, je suis d'accord, mon ex... Faut faire Majora's Mask. Oui, je suis d'accord. Mais c'est ça, Lee Choco, elle fait 1m55. Pourquoi vous voulez savoir ça? Wind Waker est un chef-d'œuvre. Wind Waker a été gâché par la phase de recherche interminable. Je suis d'accord. Ça se parle d'épilation, hein. Et bah, Benoît, je te conseille Ocarina of Time. Hein. Pour moi, c'est vraiment le meilleur. Ah oh, putain, je les avais pas vus, ces merdes. Putain, mais... Eh, mais c'est ouf. Je vais crever, hein. Oh, regarde-moi ce con, quoi. Alia, quand même, on pourra dire ce qu'on veut, mais... Ça a quand même bien évolué dans les jeux vidéo, hein, maintenant. Là, c'est juste pas possible, quoi. Ah, si, ça y est. Bon, j'aimerais bien des petits cœurs, les mecs, là, parce que j'ai fait de la grosse merde et j'ai blindé de cœurs en moins, quoi. On va essayer de... Ah, yes. Oh, putain. Oh, il y a des jarres. Ça sent les cœurs. Ouf, attention à ces merdes, là. Allez, fous-moi ton camp, saloperie. Yes, un cœur. Bon, attention à la chauve-souris là-haut. Putain. Le truc, c'est qu'à fond... Les chauves-souris, faudrait que j'apprenne à checker leur pattern, parce que... Elles viennent pas sur toi direct. C'est un petit peu déroutant, voyez-vous. Donc j'ai... Ouais, j'ai une clé. J'ai une clé ou deux clés, même. J'arrive pas bien à lire. Deux clés, je crois, hein. Ah non, j'en avais qu'une, pardon. Oh putain. Ok. Alors lui, sans l'éclair, ça va être l'éclat céleste ou je sais pas quoi là, ça va être compliqué. Putain. Est-ce que je peux pas le... Ah si, je peux le bloquer avec ça. Oh putain de saloperie quoi. Putain il est résistant ce salaud hein. Putain 3 coeurs et demi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alex se barre non? Je file dormir. Eh bah salut Alex, bon courage.
Moi, j'aime pas Zelda à part Breath of the Wild et Majora. Putain, ça parle d'épilation de bites et de schneck, quoi. Ah, mon let's play sur Ocarina. Ouais, ça me fait plaisir, Benoît. C'est marrant, mais... En fait, ça parle, genre, il y a des gens qui sont en train de dire « Ouais, ce Zelda-là est génial et tout, machin. » Et entre chaque, il y a toujours un message sur l'épilation d'une bite ou d'une chatte, hein. Moi, je veux bien t'épiler. Je sais pas si des gens touchent un peu à Super Metroid. Et après, juste après, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a Ludo qui s'en va. Bonne nuit, Ludo. Si, ça parle de Zelda, mais ça parle d'épilation aussi. C'est assez marrant. Alors, je sais pas si des gens touchent un peu à Super Metroid ici, mais tout à l'heure, j'ai fait un échauffement. 2h11, temps calculé pour le jeu à 99%, alors que mon meilleur score 100% est de 1h49. Bah moi je l'ai fini une fois Super Metroid, d'ailleurs c'était sur... Bah d'ailleurs... Oui, le Super Metroid c'était sur ce bureau, hein, avec cette Sony Handycam de l'époque. Ouais je l'ai fini sur Super Famicom. Et j'avais bien adoré, très content. Mais j'ai pas trop envie de le refaire, je t'avoue. J'ai quand même été pas mal bloqué, enfin pas mal. Il y a une ou deux fois où j'étais un peu kéblo. Attention. Putain, dégage! Ils arrivent quand même à me toucher, hein. Ah, il lâche pas de cœur! Il lâche pas de cœur! Je veux des cœurs! Oh putain. Oh putain, je le sens mal, lui. Oh non! Non! Oh oui, c'est bon, je l'ai eu. Excellent. Attention, doucement. Wakata. Non, un petit cœur, s'il vous plaît. Alors là, on a... je sais pas où on arrive, là. Ah bah, c'est... Il y a Zelda. Sid, je t'ai attendu. J'espérais que tu pouvais mettre... Attends. I was hoping I could make Zelda vanish in front of your eyes. In front of your eyes. J'espérais pouvoir faire disparaître Zelda devant tes yeux. Aussi, on peut parler de notre taille de sexe. Je pensais que je te l'avais dit. 17. Tu nous fais quand même une fac épilation que... Attends. Tu nous fais quand une FAQ que l'épilation, Sid? Maintenant, elles le font. Moi ça va, j'ai pas des tonnes de poils. Par contre pour les filles je trouve que c'est mieux sans. Moi je suis... m'en bats les couilles. Je préfère vous dire. Ça dépend, hein, si c'est un genre de buisson, non. Mais des poils ça me dérange pas. Putain mais de quoi je parle quoi. Allez bats les couilles. Alors, c'est le mot amateur. Ah d'accord, ah oui d'accord. On m'avait dit que je suis de gauche, non? Petit rideau. Oh! Tu veux te faire défoncer? Je peux le faire. Je traduis à l'arrache, on est d'accord. Oh le clasher! Aïe, peut-être des flèches. Peut-être les flèches. Non. Non, à mon avis, on est obligé de se faire buter, hein. Merci pour le host, Dieu.
suis la soirée électorale, pas du tout. Alors attends, je regarde, hein. J'essaye d'esquiver les trucs de poils. La rediff YouTube, ça va être quelque chose. Bah tu m'étonnes, ouais. Bonne nuit, Johnny. Pourquoi il est en anglais? On peut le jouer en français, ce jeu-là! Parce que je suis sur la version US du jeu. Je ne l'ai pas en cartouche française, désolé. J'ai pas assez de thunes pour l'acheter en PAL. Voilà. On me l'avait offert il y a 1000 ans en US, donc bah, j'y joue en US. Et je ne joue pas en émulation, c'est pour ça. Dieu qui hoste Cid. Eh oui. Vous êtes des oufs, les gars, j'en peux plus. Mais le sorcier, faut le battre. Alors, comment je le bats? Parce que là, à mon avis, Ah, c'est une règle personnelle de ne pas les jouer en émulation. Oui, je préfère, bah, comme j'ai les consoles, j'ai de quoi capturer, en général, j'ai les jeux. J'ai pas envie de jouer en émulation, parce que je peux le faire... Je préfère jouer sur la bonne vieille console de l'époque. La bonne vieille SNES de l'époque. Oh putain! Mais il est imbutable, je peux pas le toucher. Pour Link to the Past, faites des dons. Ah, il y a même le lien pour faire des dons? C'est ça le lien? Eh bah c'est pas mal. Il faut lui envoyer ses boules. Ah, la Ganon en fait. Comme Ganondorf. Ok, d'accord. Ah putain, je me retape ça. Ah ouais, ils abusent un peu là. Ah, je me retape tout même. Oh la blague. Oh putain. Oh merde. Merde. Putain, attends. Ah, j'aime pas ça. Est-ce que ça les touche ou juste ça les immobilise? Je pense pas que ça les touche. Hein. Attends, je suis vraiment ma victime là. Ah, il va me falloir des cœurs parce que ça va être compliqué là. Ah! Ça, je vais me faire bloquer ma chaîne parce qu'on parle d'épilation. Mais non, pas déconner non plus. Je l'ai fait, Saturne, pour l'upgrade. Putain, faut tout se refaire, quoi. C'est abusé. Ça, c'est abusé, je trouve. C'est un peu abusé, là. Allez, dégage! Oh putain, je sais même pas où est la... Ouf, oh là. J'ai failli pas la voir, celle-là. La clé, où est-ce qu'elle est? C'est un mec à gauche, je crois que c'est lui. Oh, ça y est, j'ai tous mes cœurs! Excellent. Je crois que c'est à... Ah non, il faut pousser la merde, là.
casse-toi, putain, espèce de saloperie, va. Putain, elle est où, la... Ah, mais non, mais c'est déjà ouvert, quel con. C'est déjà ouvert comme je l'ai déjà fait. Ok. Vite, ok. Alors, attends, parce que là... Ah ouais, putain, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, en fait, ça. Là, avec le rayon, ça va, c'est cool. Il faut juste pas que je le perde, quoi. Si on est dans la merde. Ah, le salaud! Putain, il m'attaque dans le dos, cet enfoiré, là. Ah, du coup, j'ai paumé le truc, fait chier, là. Ah, il y a eux, maintenant. Oh, putain. Putain de merde. Faut attraper des fées avec le filet à papillon et les mettre dans un flacon. Non mais sauf que des fées, j'en ai pas trouvé des masses. Hein. Et à chaque fois, je les attrape sans le vouloir. Enfin, je les utilise sans le vouloir. Ah putain. Allez, dégage. Ce chat de l'enfer. Bon, je suis désolé, je peux pas vraiment vous lire. Hein. Vous lire complètement. Putain, mais... Ah, comment ils collent au cul, ces enfoiros, là. Putain, je me fais toucher, mais bêtement, en plus, quoi. Bon, je crois qu'il y a des cœurs, ici. Non, mais c'est lamentable. Là, je fais n'importe quoi. Ah, putain, je vais avoir un cœur en moins, quoi. Ah, non, super. Ok, maintenant. Vite, eux. Non. Ah, putain. Oh, non, vite. Vite. Non. Oui. Ouh. J'ai de la schneck. Allez, fous-moi ton corps, saloperie. Chope le rubis. Yes. Petite pause. À quand... Un run sur Twilight Princess. J'avais commencé à y jouer, mais... J'avais commencé à jouer à Twilight Princess. Fais des attaques chargées contre les arbres dehors. Mais là, je vais pas ressortir. Ça parle d'Akai. Hop là. Là c'est pareil. Allez. On y est là je crois, je sais plus. Ouais, super. Bon là c'est chaud alors. Remarque, j'ai les rayons, hein. Je peux peut-être lui envoyer les rayons, comme ça. Hein. Merde. Attendez, deux secondes. Putain mais...
Il fait plus ses boules, là, maintenant. Oh, les éclairs, maintenant. Comment je peux savoir quand il y a les éclairs, quoi? C'est aléatoire, en fait. Oh, la blague! Ça l'a foutu sur le teco, mais putain, mais ça n'a pas de sens. Ah là 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 là. Ah putain, c'était une boule. J'ai cru que c'était les éclairs. Ok, c'est les éclairs. Bon, ce que je peux faire, c'est une boule. Et après, j'esquive tout jusqu'aux éclairs. On va faire ça, voilà. Là, je vais tout esquiver. Voilà, là, je vais tout esquiver. Jusqu'à ce qu'il refasse ses éclairs. Ça va être long, mais... Ah, putain. Chier. C'est pas grave. Ok, super. Soupa! Soupa! Putain, mais il est tellement relou à buter, lui, quoi. Ton, 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 ton. Sinon, ça va, vous? On peut parler d'épilation, là. Oh. Ah, la vache, quoi. Oh, j'ai... taper dessus, putain. Ah, la vache! C'est vraiment un connard, quoi. Oh, la vache! Putain, mais j'ai failli me le prendre, hein. Allez, c'est bon, non? Sid, c'est Chararalala, Ayam, je te contacte via le void, c'est le vide. Via le vide télépathique. Là où on est, c'est le Golden Land. Mais le pouvoir maléfique a tout tourné dans un monde dark. Ce sorcier a cassé The Wise Man's Seal and opened a gate to link the worlds at Hyrule Castle. In order to save this half of the world, the light world, you must win back the golden power. You must also rescue the seven maidens. Ah, les prêtresses. Who Aghanim sent to the dark world as members of the bloodline of the seven wise men. They have power that will certainly help you. The maidens are locked in hidden dungeons full of evil creatures and dangerous traps. The palace of darkness should be your first goal in this world, Sid. I can rely only you. Please make this old man's wishes. I beg you. Eh ben, beg me, fils de renard. Ton, 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 ton. Alors, du coup. Ah, faut que j'aille à droite. Ok, Wakata, allons-y.
Allons, allons à droite, toujours à droite, toujours à droite. J'ai mangé des pommes et du café. On veut de la photo avec la tour sur la montagne de la mort devant le soleil. J'avoue, c'était classe ce petit plan. Je suis plus fumette qu'alcool. Mais au final, ça aide pas si tu te tapes de grosses fonces dalles. Moi aussi, j'ai des haltères. Maintenant, ça parle de la musculation. Ou alors, tu peux aussi t'en battre les couilles, Akai. Mais bon, faut assumer. Ouais. Plus fort, The Music. Ah bah, je veux pas la mettre plus forte. Ah, je la mets plus fort s'il y a un petit don. S'il y a une petite farandole, je peux monter un peu la musique, y a pas de problème. Ouais, les BG, c'est tous des PD, d'accord. Toujours à droite, tu vas voter Le Pen. C'est une blague, évidemment. Non, j'arrête de voter, c'est bon, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ta-ta-ta-da-da. J'ai rematé Requiem for a Dream, ça calme. Requiem for a Dream, j'avais pas trouvé ça génial comme film. Je trouvais ça un peu pourri. Les plans et tout, y avait quand même des plans qui étaient bien branlés et tout, hein, mais... Ouais, je trouve que c'est un peu un film... Je sais pas. Je vois pas trop l'intérêt de ce film, en fait. Putain, mais dégage, quoi! Mais c'est ouf, quoi! J'ai déjà 3 cœurs en moins! Putain, faut que je redescende encore. Qu'est-ce qu'ils ont au bout de leur lance, là? Ils ont des cotons-tiges? C'est des cotons-tiges géants, les trucs? Voilà. C'est pas du tout là. C'est pas du tout là, en fait. Faut que je remonte. Zenson, 5 balles, plus fort la musique. Enfoiros. Merci mec, tu dis cher. Attention. Merci vieux. Bah du coup voilà, j'ai augmenté la musique. Dites-moi si c'est assez fort. Je me sens un peu coupable de vous demander de l'argent pour augmenter la musique, alors que j'ai juste à pousser un bouton. Je suis pas... Oh, j'aurais dû la capturer dans un filet. Alors, ça a l'air d'être labyrinthe land ici, non? C'est labyrinthe, non, bien ce qu'il semblait. On va essayer de trouver un chemin d'accès. C'est pas par là. Ah, mais il y a des flèches au sol, quel con. Ah, mais il y a des flèches au sol. Faut suivre les flèches, c'est tout. Allez. Ah, mais du coup, t'as... Ah, d'accord, il y a plein de petits passages. Ça... Vous savez quoi ça me fait penser, là, cette phase? Ça me fait penser à Minish Cap. Ça me donne envie de me le refaire. Je l'ai en boîte, là-bas. Je sais pas s'il y a la cartouche, non, faudrait que je check. Putain, on va passer là, peut-être que c'est le chemin. Peut-être un truc là-dedans. Je le sens bien, ce chemin, je sais pas pourquoi. Petit chemin comme ça, hein. Ouais. Oh putain! Je suis Kiki, le singe! Kiki! J'aime les rubis! Plus que tout! Casper, est-ce que tu peux me dépanner 10 rubis? Allez, tiens!
bon choix, je vais... Je vais t'accompagner pendant un moment. D'accord. Wakata, comme on dit, hein. Putain. Saloperie de cochon, là. Ok, donc c'est ici le temple... Le temple des machins trucs, là. Eh ben, c'est là. Donc on y est. Et il y a peut-être un truc à faire avant, hein. Alors, attends. Ah, Kiki. Bah oui, je sais pas. J'en avais un Kiki comme ça. Je sais pas si je l'ai toujours. Bah si je tombe amoureuse, oui, même 6 cm. Qu'est-ce qui se passe? Ça parle de taille de Zizi, c'est ça? Attends, de quoi ça parle, Mimi? Vous me faites bader, là. Mais vous me faites tous rire, Ria Alpha, y'a t'as un trick? Et Chris maintenant, bah ça fait 4. Tu vas vite te lasser. C'est toujours ton seul jeu GBA, Sid? Non, j'ai des Pokémon aussi. Mais à part ça, ouais. Je dois avoir 3 jeux. Attends. En vrai, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 Pokémon. Et Minish Cap. Je tombe pas amoureuse d'un Kiki, mais d'une personne. Bravo, Mimi! T'es quelqu'un de bien, Mimi. Je te le dis. L'amour sans sexe, c'est pas pour faire mon macho ou quoi, mais c'est impossible. Ouais. Ouais, je sais pas. Moi, ça m'intéresse. Enfin, moi, je m'en bats les couilles, en fait. Le singe, c'est la clé du donjon. Nickel. Le seul truc que tu peux faire, c'est de prendre le quart de cœur sur la pyramide. Un Kiki comme ça, j'en ai un. Non, il y a un lien, il y a eu un lien d'un Kiki, là, les peluches. Akai, c'est un beau gosse, hein, attention. Une photo de toi me confirmera cela. Ou une vidéo qui s'appellerait, par exemple, putain d'Ibière. Du coup, le quart de cœur, il faut que je le chope avec le singe. C'est peut-être mieux avant que je rentre dans le donjon, là. Attends. Ah merde, le con. J'aurais pas dû faire ça. Ah, j'ai fait de la merde encore. Putain, mais je suis vraiment un mongol. J'ai recherché Kiki, là. C'est bon, il est là. Il n'y a pas eu de lien, Julien, tu le sais, on te juge pas. D'accord. Non, il est sur la pyramide, tu as commencé dans le monde des ténèbres. Ouais, bon, je m'en bats les couilles du singe pour le quart de cœur, en fait. Non mais en fait j'ai mis non parce que je voulais pas rentrer dans le truc direct, je voulais choper le quart de cœur mais du coup oui bah je vais lui dire oui quoi. Si tu te pètes les couilles avec les fragments de bonheur, tu parles de quoi d'Exeras? Benoît, il disait quoi? Tu connais pas le jeu, là? Ah non, je voulais Minish Cap et, le Game Boy et la Game Boy Collector. La vendeuse de cash m'a dit qu'il n'y avait pas la cartouche. Minish Cap était pas mal. Enfin, dans mes souvenirs, il était bien. Bon, on va se faire le donjon, là. On ira chercher le cœur après. Ah, mais attends, mais c'est le même donjon qu'on a fait au début. Il ressemble, non? Ah putain, ils ont un. Ah non, c'est bon. Ah là, vous voyez, pour dire que c'est maléfique, il y a des têtes de mort quand même. Merci Nintendo. Un truc à pousser là. Ou à tirer peut-être. Non, non, non. Allons voir plus bas.
Je sais pas si dans ma partie à l'époque j'étais arrivé ici. Oh putain. Je crois. Oh, une petite clé. Bon les go, Gigo, j'ai une leçon de conduite très tôt demain, la bise sur le cul. Salut Dodo, bonne leçon, bon courage. Bon courage pour conduire l'auto. C'est Capcom. C'est vrai que c'est Capcom, Minish Cap. Moi j'avais bien aimé. Décris-toi physiquement à l'ancienne, Akai. J'ai comme peur, je prends jamais de photos. J'ai fait que deux selfies. Il a une tête ronde, Akai, genre un peu comme et Arnold. Un mec qui se réveille juste pour faire son cliché. Bon, Ahmed, on se fait peut-être un truc demain soir. Je te redirai. Soit demain, soit mardi soir. Ok? Ok. Le mec qui fait les questions-réponses. Enfin, si tu veux faire un truc demain. Hein. Ah, quoique, attends, demain, je vais peut-être stream. Je sais pas. Bon, en fait, je sais pas. Je te redirai, je te redirai. Parce que là, je t'avoue que cette semaine, j'ai pas trop envie de m'éclater la gueule tous les soirs, d'être fonce-car et tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire, mon poste? Oh, putain. Ah, oh, il y a des TP, là. Ah! Attends, je vois pas bien l'intérêt. Qu'est-ce que ça change ici? C'est une autre pièce? Ah! Ah! Comme dirait Denis. Oh! Attention! Petit boomerang. Oh putain. Ah, mais j'ai les éclats. J'ai les lasers. Alors là. Ah putain. La première fois que j'ai vu ces ennemis, c'était dans Link's Awakening. Alors attends. Ah, il faut des flèches apparemment. S'ils nous donnent des flèches. Oh putain. Oh la. Mais what? Attendez, c'est une blague. Sinon, je peux leur foutre une bombe dans le cul, hein. Ah mais putain, mais je peux pas le tuer en fait lui. Attendez. J'essaye de... Ah si, je peux faire un truc comme ça. Ah, la technique du gros fourbe. Donc, eux ça va. Putain, ils font bader ceux-là. Non mais je m'en tape, j'ai mon truc de visuel à faire, mec, bat les couilles des soirées. Ah bah d'accord, ok. Bon bah... Nique ta mère. Nique ta maman. Demain, il y a le stream de Ludo. Oui, en plus. Eh bah tiens, bah... Je verrai si je passe. Alors, attends voir. Petit boomerang... Ah mais j'ai plus les éclats, donc là ouais non, je suis baisé. On va faire comme ça. Ok d'accord. Putain. Putain de saloperie. Ouf. De justesse. Non mais tu dois m'aider, je te rappelle. Bah je sais pas... Je sais pas, c'est pas moi qui repasse le bac, mec. Moi, je veux bien t'aider, mais bon. T'as un truc ou comment ça se passe? Ah putain, la blague, quoi. Le truc qui pop au moment où je tape, quoi. Vas-y, on va.
Mais attends, mais je comprends pas, parce qu'il y a plein de fissures sur les murs. On peut péter tout ça, là? Ah ouais, putain, mais what? Mais il y a plein d'entrées, en fait. Ah, c'est dans ce... dans ce donjon qu'on va avoir l'espèce de marteau, là. Ah, la carte. Nickelou. Re-colonel. Colonel. Ah. Akai a envoyé une photo à Mimi. Ah, c'est pas mal, ça. Oh, une petite clé. Bah, ça, c'est super. Par contre, j'aimerais bien trouver des cœurs. Donkey Kong Country. C'est le seul que... Oh, Nickelou. Putain. Attends. Oh, je vais toutes... Non, le con. Putain. Je vais toutes les mettre dans les bocaux. Voilà, super. Putain, c'est énorme. Là, du coup, j'ai trois fées. J'ai trois fées, ouais. Ah ouais, c'est excellent, ça. Du coup, je vais les garder. Et là, je vais essayer de trouver des cœurs dans le donjon. Ah, pas mal, ça. On te fait popper sur, sur l'ennemi, quoi. Merci, Nintendo. Eux, ils dropent que dalle, de toute façon. Non, mais je sais ce que vous allez dire. Je fais 1m55, mais c'est complètement con comme question. Ah ouais, du coup, alors. Tu l'as fait dans Donkey Kong Country 2, Sid? Je l'ai pas fini, mais je l'y ai joué. D'ailleurs, j'ai ma cartouche de l'époque, hein, toujours. C'est toujours la même. J'avais la Super NES à l'époque. C'est le seul Donkey Kong Country que j'ai. J'avais le 1 aussi, je l'avais deux fois, je crois, mais j'ai dû le vendre ou le filer. Je m'en rappelle plus. Du coup, oui, j'ai que le 2. Mais c'est vrai que oui, Donkey Kong Country 2, c'est un chef-d'œuvre. Akai doit changer ses miroirs. Ah! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu mérites la chaise, Torgal. Qu'est-ce qu'il a dit, Torgal? Donkey Kong, c'est caca. Quel talent d'imitateur. Un singe avec une cravate, enfin soyons sérieux. Alors attends. Oh putain. Bon, j'ai deux clés. Peut-être moins que ça me dépanne. Par contre, ça serait bien de me filer des cœurs, quoi, parce que putain, mais c'est encore hallucinant, mais j'ai plus de cœurs, quoi. Des bombes. Non, pas une bombe, mais bel et bien deux bombes. Ah, putain, c'est merde, là. Ah, putain. Saloperie là. Bon, ouais, on va tenter par là. Donc j'ai la carte, mais j'ai pas eu la boussole encore. Ah, encore une petite clé. C'est quoi ça? Ah. Peut-être la plume dans ce donjon alors. Je sais que j'avais dit ça pareil tout à l'heure, mais. Peut-être. Ce sera peut-être dans celui-là. Putain. Ah, il y a un cœur. Ok. Ok. Ah, mais je crois que je l'ai déjà fait, ce donjon. À l'époque, j'ai dû le faire. Ça me parle. Ça me parle. Oh,
Ah putain, mais what? Mais aucun sens, mais comment j'ai pu tomber, quoi? Ah oh, la vache. Ah ouais, mais c'est tellement de la merde, ces ennemis, quoi. Tellement pas les blairer, quoi. Mais casse-toi. Oh putain. Mais putain, mais il lui faut combien de coups à celui-là? Mais casse-toi! Espèce de saloperie, va. Quoi? Mais attendez, mais je peux pas passer, là? Merde. Ça sent le blocage. Si, à moins que je puisse tomber en dessous, là. J'arrive où, ici? Ah oui, d'accord, ok. Sympa. Ok, je me fais complètement les vieux. On est bon. Eh ben, je vais crever. Putain, vite. Un coffre. Encore une clé. J'ai trois clés. Ça n'a aucun sens. Comment on les bute ceux-là, là? Je sais plus. Ces merdes, là. Putain, je croyais qu'il fallait leur foncer dessus et les retourner. Ah mais j'ai utilisé une fée. Comment on les tue, putain? Attends, j'ai besoin d'aide, les gars. Comment on les tue, ces enculés? Une bombe, peut-être. Le problème, c'est qu'ils vont pas rester vers la bombe, quoi. Putain, laisse tomber, quoi. Bon, laisse tomber. Je vais prendre des cœurs, je vais les esquiver. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Faut l'objet du donjon. Ah, merde. Je vais monter avant de me TP, là. Quoi? Putain, mais c'est une blague. Attends, mais c'est là où j'étais tout à l'heure. Comment j'ai atterri ici? Ah, mais ça m'intéresse pas de revenir là, moi. Je m'en bats les couilles, en fait. Ah, attends, il est là-haut. On va faire le tour 60 fois. Wakata! Wakata, Wakata, bon... Portes-tu des strings? Ah, attends, je sais plus ce qu'il y avait par là. Je m'en rappelle plus. Ah, je peux rien faire en fait ici. Qu'est-ce qu'il y avait ici là? Ah ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Voilà. Voilà, nickel. Là, on est bon. Ah, nickel. La clé du boss, déjà. Ok. Ok, ok, ok. Donc, il faut l'objet du donjon. Mais ouais, mais non, mais je suis revenu là, moi. Ça fait quoi, ce bloc-là? Ça fait rien? Sur la plateforme avec la flèche, tu peux faire un saut. Sérieux? Putain. Ah,
Attends, je vais aller voir. Je pensais qu'il fallait, en gros, que ça m'indiquait que je pouvais sauter, mais je pensais pas que c'était via un... Je pensais que c'était via un item, en fait. Apparemment, non. Bon, écoute, on va... Je vais aller voir, je vais aller voir ça. Wakata, comme on dit, là. Putain, mais eux, ils sont horribles, ces trucs, hein. Sérieux? Allez, niquez vos races. Donc là, j'avance, il va sauter, c'est ça? Putain, d'accord. Ah ouais, d'accord, ok. T'as fou. Ok, bah je savais pas. Je ne pensais pas que... Mais très bien, très bien. Oh merde. Ah putain, attends. Vite. Dégage! Ok. Vas-y, gauche. Ok, on est dans le noir. Oh putain. Oh putain. Attends. Nickel. La magie, j'utilise même pas. Ah, c'est pour la torche. Tu m'étonnes que je l'utilise pas. Ah, des bombes! Je sais pas combien j'en ai gratté. 10. Un peu moins, peut-être. J'en avais peut-être déjà en stock. De justesse. Ok, bon, je crois que j'ai buté tous les machins qui balancent du feu, là. Et une petite clé! Putain, c'est pas mal. J'aime quand ça se passe bien, tu vois. Ça, c'est pas mal. Et là, une petite bombe. Bon, finalement, il est sympa, ce Zelda. Quand on n'est pas bloqué pendant 5 heures, c'est nickel, quoi. Je trouve. Ah! Et donc, c'est le marteau, c'est ça? Ah, bah voilà, bah oui. Le fameux marteau. Et du coup, grâce à ce marteau, je pourrais retourner l'espèce de sac de chiasse, là. Excellent. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est du bien joué. Allez. Oula, Costard, il s'enchaîne. Il s'enchaîne tout de suite. Alors, cours, Forest. Mais cours! Tu as déjà vu Sid courir? T'es pas loin de la clé. Il est hard, ce Zelda, je trouve. C'est le mec qui change de converse. Le Supra, il parle comme s'il parlait à l'oral. La plume, je l'ai vue dans Link's Awakening. Ah, il n'y en a pas dans celui-là? C'est une légende urbaine. Mets une bombe à droite! Dans cette salle, Sid! Ok, Svensson, moi aussi. Faut mettre une bombe ici! Dans la salle obscure! Cherche bien, Sid! Yes! En fait, Akei est plutôt BG. Oh! Eh, dis donc! Ah, si je peux trouver... si je peux créer une relation... Grâce à mes vidéos et mes streams, ça me fait plaisir. Voyez. Bah oui, ça fait une heure qu'on te le dit, Mimi. Ah ah, je ne suis pas comme ça. À dévoiler des choses. Yes, je t'ai enfoiré. Dommage que dans Ocarina of Time, le marteau sert à rien. Il sert que dans le temple du feu, quoi. Tu peux tous nous dire, oui. Tu peux tout nous dire, Mimi. Mimi, fais-nous confiance. Ni. Pourquoi nini? Surtout que je veux pas avoir un retour de bâton. Bon bah, je pourrais pas taper ma queue ce soir, alors. Je suis obligé de dire qu'il est BG. LOL! Bien joué, Milou! Tu déchires, Sid! Mais est-ce que ça... Attends, mais est-ce sa vraie tête, surtout? Zicid, créateur de liens. Merci, bonsoir. Allez, c'est parti, on y va, j'en ai marre. J'en ai marre de vous lire, vous de raconter n'importe quoi. Bon, qui a vu grave, là, d'ailleurs? Parce que c'est vrai que j'en ai parlé un peu tout à l'heure quand il y avait Alex. Est-ce que quelqu'un, l'un d'entre vous, a vu grave? Ah bah voilà, évidemment. Ah bah oui, d'accord. Putain, mais d'accord. Oh putain, saloperie de merde.
que moi j'ai quand même été le voir deux fois et j'ai encore envie de le voir. C'est un chef-d'œuvre, putain. Il est génial. À moins que vous préférez parler entre vous. Pas vu, j'ai failli pisser dans mon fut. Je devais faire une critique dessus pour mon cours de fac. Ah! Et tu l'as pas fait du coup. Ouais, j'ai vu après la vidéo. Alors, Costard, t'en as pensé quoi? On n'est pas obligé de parler de ça, hein. Si vous voulez parler de la bogossitude de Hakai, on peut faire ça à la place. Hein. Ça dérange pas. Alors, attendez, on va pas aller là tout de suite. Je vais plutôt aller à l'étage, non? Enfin, au sous-sol, du coup. Ah, j'aurais peut-être pas dû. Attends, je vais prendre le... Je vais allumer quand même, parce que... Faut pas déconner. On va garder le truc. On va prendre tous les rubis, hein, parce que... Après que le singe m'ait dépouillé complètement... Les pockets. Oh, les sockets. Oh, putain, attention. Attends, je vais attendre qu'il remonte. Voilà. Nickelou. Une flèche, ça va y aller, ça valait le coup. Ah, c'est tout ce qu'on a ici. Ah, une petite clé, bah évidemment, Wakata, comme on dit. Alors, hop. Bon bah super. Bon bah, et putain, on a gratté pas mal de fric là. Je crois qu'on a vraiment bien dépouillé ce donjon là. Je pense qu'on doit être proche de la fin. Je vais reprendre la masse d'armes. Qui n'est pas une masse d'armes, c'est juste un marteau. Ça marche pas ici. Attendez. Il y a pas. Il y a des fissures, on est d'accord là. Oui. Ici il y a des fissures, mais je sais pas, ouais. Ça va être le style du donjon. Putain, oh, alors, ça je le sens mal. Je suis tellement une daube. Ah mais attends, je peux peut-être courir. Oh le con! Putain, j'ai bien wedge. Ah, j'ai bien wedge. Ah, on revient ici. Ok. D'accord. Ah putain, mais. Ah merde, le con. Ah merde! Ah, attendez, on va tenter un truc. Go! Go, go, Power Ranger! Merde! Oh non! 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 Barrez-vous! Barrez-vous, cours de mime! Putain de Wakata! Dégage! Allez, dégage, t'es mort, saloperie! Oh la vache! Non. Peut-être par là. Alors, j'ai bien aimé, mais ça reste loufoque. Oui, c'est mon vrai visage, ça fait peur. Pas vu, mais je vais le DL. Je sais pas s'il est dispo sur internet. Moi, je l'ai pas vu, Sid. J'ai vu que ta vidéo. Avec le picon qui commence à chauffer les joues, Sid me fait hurler de rire. J'imagine trop le mec en train de faire... Génial! Prends mes affaires! Ah, c'est pas mal. Ça me fait penser, c'est arrivé près de chez vous. C'était génial. Ah, ça fait plaisir. Je l'ai pas vu, personne voulait y aller avec moi, et j'ai pas... Et j'ai pas fait la critique, du coup. Putain, c'est dommage, il est vraiment bien. J'ai fait une review, ouais, si tu vas aller voir les chocos. Ouais, mais je vais pas regarder une vidéo de site quand même ce gros sac. J'ai des valeurs. Une ambiance dérangeante au vu de l'innocence de la fille, mais avec tout ce qu'elle subit, je peux comprendre que son cerveau soit passé en mode chez père. D'ailleurs, j'ai vu que là, elle était dégoûtée des élections. Je la suis sur Instagram, du coup. Je l'ai vu ce matin aller voter, elle a fait une petite story, là, et puis bah là, elle était vénère. J'irai bien le revoir, mais j'attends qu'il sorte en streaming. Moi, je l'ai acheté day one. Je vais acheter le Blu-ray. Quand tu auras récupéré la poudre chez la sorcière, les têtes de mort volantes avec 4 cœurs, tu pourras les transformer en fées. Ah, oh, c'est pas mal, ça. Faut garder tes cœurs pour la P2. C'est arrivé près de chez vous, c'est la base. Gogo pizza renard. Pleure pas, gamin, c'était pour rire. Alors, du coup, on est revenu ici. Ça m'emmerde, parce que du coup... On est paumé là. Putain.
Ok. Alors attends, parce que... Attends, il faut que je check la map. Bon, en haut, on a tout... Ah non, on n'a pas tout fait en haut. Il y a une partie à droite qu'on n'a pas faite. J'ai du mal à me repérer, hein. C'est quand même hallucinant. Il y a des bouts qu'on n'a pas fait encore. Alors attends, je retourne et voir. Mais non, mais en face, là, j'en viens. Ah, peut-être à droite, ici. Ici, là. Putain, mais, ah, mais j'ai pas trouvé de sphère pour... J'ai pas trouvé de sphère pour baisser les trucs, là. Ah oui, mais non, là, y a rien. Ah, et putain, mais là, du coup, je suis niqué. Aïe, 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 aïe. Oh, putain. Est-ce que je peux revenir? À mon avis, non. Ah, mais la sphère est en face. Ok. Ok, nickel. Vas-y, c'est bon. Recharge. Hop, 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 hop. Con, je voulais pas faire ça. Ok. Nickel. Ok, donc maintenant. Ok, c'est fermé. Il doit y avoir un truc activé ici. Ok, il y a 1000 cœurs. Ça m'indique rien de bon, cette histoire. Ah. Je vais mettre une statue dessus. Une statue d'Inde. J'ai des valeurs. Ça me fait chier d'avoir Tège, la Super NES à l'époque, j'avais plein de bons jeux. Ah ouais, c'est con ça. Mais tu sais, quand on est jeune, on est un peu con. Oh putain, attends, comment je l'ai tué lui déjà? Bon, eux, on y va comme as. On va y aller avec les flèches, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc je faisais une flèche et il se la mange. Une flèche. Voilà, putain. Est-ce que je peux pas mettre des flèches dans les yeux des statues, là? Merde! C'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, c'est bon. On va essayer. Non, ça fait rien. Ah ben voilà, dans les vertes alors. Oh, ça fait 3 heures, presque 3h30 que je joue. On va pas tarder à se quitter les mecs. Est-ce que je fais une troisième partie du coup? Je sais pas. Je sais pas encore, on va voir. Le marteau. Je suis un peu fatigué, mais ça va. Un peu fatigué, mais ça va. J'aimerais bien allumer la... Ok, on a une clé ici. Ça, ça sert à rien, en fait. Enfin, mis à part pour passer. Y'a rien activé, hein. Bon, écoutez, je pense que c'est good. Allons-y. Ah, merde. Ça commence à être la merde là. Évidemment. Ah putain, j'ai plus d'éclat. Je suis dans la merde. Ah, mais je peux pas allumer là, c'est mort. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oh putain, je les avais pas vus. Thank you.
Ok, super. Alors ça fait quoi ça? C'est ouvert ici. C'est ça. C'est ça. Ah, le dessert. Ben voilà. Oh. Oh. Ah, faut lui casser son masque. Oui, je me rappelle de ce boss, ça me dit un truc. Oh putain. Ah, il est pas évident. Comment j'ai fait pour lui casser son masque une première fois? Ah, je suis mort! Putain. Et il allume la gueule, le salaud. Ah, attendez, je vais checker un peu le chat, là. Y a plein de jeux que je voudrais me faire. Donc là, ça parle de la SNES. Nous dévoile rien, s'il te plaît. Ne dévoile rien, s'il te plaît. Ah, la photo de Mimi, d'accord. Claire, ça picote. Oui, une troisième partie. En échange de photos pour commencer un mariage entre temps et puis des petits enfants tout mignons. Bon, à quoi parlons à faire? Combien pour les photos de Mimi? Ni no Kuni. Ah, elle est très bien, Ni no Kuni. Si ça commence à se souder avec des bières, je vais être mal. Il est tellement merveilleux. Ah, donc le marteau, c'est bien ça. Marteau à donf. Bon, bah, bon, bah, on va tenter marteau à donf. Par contre, ça m'enlève quand même pas mal de vie. Ouais, regardez. Je peux pas faire grand chose. Oh le salaud. Ah putain. Il m'a su une fée quoi. Putain, il est hard. La vache. Ah mais là je vais revenir du coup directement au jeu quoi. Ah ouais. Ah excellent. Ah ouais d'accord. Eh mais les fées c'est énorme. Et les fées, faut que j'en récupère de ouf avant chaque donjon, hein. Il est cool, ce boss, j'ai bien aimé. Attendez, il y a eu un bug, j'ai dû redémarrer l'application. GG. Ouais, t'es pas mal ce boss. Grâce à toi, je peux échapper from the clutches. Je sais pas ce que ça veut dire. Of the evil monsters. Sous l'emprise des monstres, j'imagine. Je peux échapper à l'emprise des monstres. Ce monde. Used to be. Where's the Triforce of the. Ce monde doit être. Le Golden Land, là où il y a la Triforce qui est cachée, à cause de Ganon, les boss des voleurs, le boss des voleurs, le chef des voleurs plutôt, a souhaité que ce monde soit transformé, je suis sûr qu'il veut conquérir notre lumière, après avoir construit un pouvoir de connard.
Il essaye d'ouvrir une largeur, une grande bière entre deux mondes. Proche du château, il utilise utilisant notre pouvoir. Mais ce gate est maintenant open. Il n'est pas encore complètement ouvert. Si les made, les 7 machines together peuvent péter le machin de Ganon. Je vais te dire où sont les autres filles à aider. Où elles sont camouflées. Je crois. I believe you will. Je crois que tu vas. J'ai foi en toi et je crois que tu vas péter Ganon. Je vais retourner dans ma forme originelle maintenant. Est-ce que tu comprends? Oui, ça, je suis pas mongol. May the May, que le. Of the hero lead to the true force. May the way, pardon. Que le chemin te mène à la Triforce. Hein. Que je te mène à la Triforce, le chemin du héros. De mon trou de balle, ok, d'accord. Pom 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 pom. Tu pars d'un truc, tu sors d'un truc complètement épique, musique, machin, et après t'as un. Pom 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 la la pom. Pom 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 la la pom. Pom 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 pom. C'est pas mal, moi j'aime bien. Bon, où est ce quart de cœur là dont on me parlait tout à l'heure. J'irais bien le gauler. Oh merde, je vais faire la guerre déjà. Putain, il s'est fait tuer par une bombe ce con. Sid, arrête de lire cette merde, elle dit juste que tu vas devoir galérer dans encore 8 donjons. Cette musique m'angoisse, que la Triforce soit avec toi. Le franglais de Sid. Ouais, c'est à peu près, hein. Zero down, t'as kiffé? C'est la première fois que je fais Zelda, on va dire que j'en suis là. Je sais pas si j'avais été au-delà de ce passage. Oh, ça sent, là, je sens qu'il y a un truc là. Non? Ah non. Retourne à la grande pyramide où tu es apparu après avoir battu le sorcier. La grande pyramide? Il y avait une pyramide? Alors là, mec. Une grande pyramide? Là, je suis paumé. Bon, ça va, ils m'ont indiqué où sont tous les temples. La grande pyramide. Où sauvegarde et recharge la partie. On va faire ça, hein, plutôt. Va chez les frérots pour ton épée. Ah, monsieur Bourg, comment vas-tu? Alors, attends. Je vais... Non, dégage. Je sauvegarde. Et du coup, je repop où? Ah, ici! Ah, mais c'est là, la grande pyramide! Ok, d'accord. Et du coup, c'est où sur la map? Ok, c'est... ok. Je vois. Ok. Alors, attends, c'était quoi le truc, du coup? Le quart de cœur. Va prendre le quart de cœur, oui. Alors, il y a un quart de cœur dans le coin, là? Putain, et... Non, mais attendez. Je veux juste revoir ce plan. Mais c'est magnifique, là. La musique. Je suis pas fan, mais putain, le fond, là, il est ouf, quoi. Les couleurs, elles sont trop stylées, quoi. Elle est où cette magie dans le dernier Zelda Nintendo là? Qu'est-ce que vous avez branlé, putain? Quel est ton premier Zelda? Ah, il est là le quart de cœur. Mon premier Zelda. Je crois que c'est Link's Awakening. Hein. Ou Ocarina of Time, je sais pas. Ah, j'ai récupéré un cœur du coup, excellent. Bon les gars, on va faire une petite pause. Hop, je coupe pour la rediff YouTube. Des bisous YouTube, à bientôt pour la suite. Allez, ciao !